Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Riton, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Salut à tous, c'est KWA. Grosse, grosse, grosse force à mon frérot Tiesco, le sultan. Et grosse force à lui pour son son déjà vu qui vient de sortir. Rendez-vous en décembre pour son gros concert à Abidjan. On en sent. Aïe. Salut, salut famille, c'est votre serviteur Irito, j'espère que vous allez très très bien. Vous venez de voir la vidéo de Caris, hein? Vous venez de voir la vidéo de Caris. Apparemment, le concert de Tiesco le Sultan au Palais de la Culture, c'est pas un buzz. Selon les dires de Caris, parce qu'il confirme sa présence ce 29 décembre là, du côté du Palais de la Culture. Ok, il n'y a pas de problème. Bien avant d'aller plus loin dans mon allocution, pour ce qui est de la genèse, vous vous rappelez, il y a eu un petit clash entre Didier Arafat et Caris. Lorsque Didier Arafat, comme ça, a soutenu le concert de Booba au détriment de celui de Caris. Vous vous rappelez, non? Ça a créé des tensions entre lui et son grand frère. Pour ne pas dire son confrère. Ivoirien Caris. Ok. Et comme une vengeance, Caris promet comme ça sa présence au conseil du Tiesco le Sultan. Moi, en fait, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ce que j'aimerais dire, c'est m'adresser à la Chine et à la Légion. Vous pensez que la présence de Caris pourra nous effrayer? Et la Chine, je vous demande, la Légion, je vous demande, vous pensez que la présence de Caris, je ne sais qui, même de Booba ou de Lafouine au conseil de Tiesco le Sultan, dans une salle de, je crois, 1000 ou 1200 places, pourra nous effrayer, car avons pour objectif de placer au moins 50 000 personnes ce jour-là le 29 décembre du côté de l'Ivoire Golf Club. Vous pensez que ça peut nous effrayer? Dites-le-moi en commentaire. Ceux qui ont peur, pour pas qu'ils se cachent, dites que, ah, nous on a peur parce que Caris va au conseil de Tiesco le Sultan. Ceux qui sont confiants contre moi, dites-le aussi. Parce que le truc, c'est quoi? Moi, je vais m'adresser rapidement à mon grand oncle Caris. Caris, moi, du côté de la France, mon rappeur préféré, c'est Lafouine. Mais depuis que tu es sorti avec Or Noir, j'ai commencé à kiffer de malade. C'est-à-dire, après Lafouine, c'est toi. Je te kiffe grave, 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 grave. Pour ta musique, il n'y a rien à dire. Tu es trop top. Tu es le dieu de la trappe. Je vais le dire haut et fort. Ils vont parler, mais ils savent que c'est la vérité. Voilà. Mais en même temps, je pense que tu vas te prendre une grosse honte. Si tu confirmes vraiment ton arrivée à Abidjan au conseil de ton confrère, pour ne pas dire ton cousin ou ton frère, Tiesco le Sultan. Parce qu'apparemment, son conseil, je pense qu'il est un appel au boycott. Mais pour appeler des gens au boycott, il faut avoir quand même une certaine cote et il faut avoir une certaine notoriété, ce qu'il n'a pas encore en Côte d'Ivoire ici. Et comme il sait que toi, son cousin, Caris, Okou Nyankouré, dit le dozo, une grosse notoriété ici en Côte d'Ivoire et même en France, il se permet de t'inviter à son concert comme quoi il a fait sale comble. Je lui souhaite sale comble. Mais le truc, c'est quoi? J'aimerais dire au Grando Karuski, tu risques de te prendre ta première honte, honnêtement, sans te mentir. Parce qu'il s'agit là de la Légion et de la Chine. Peut-être que tu connais pas ce groupe de fans, ces deux groupes de fans en Côte d'Ivoire ici, mais je pense que ce 29 décembre là, tu auras vraiment la réponse. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que tu auras la réponse. Parce que je pense que c'est prétentieux de la part de Tiesco le Sultan de vouloir défier Debordo Likoufa et Didier Arafat. Non, ça fait des jaloux. Quand je dis souvent des choses, ça fait mal. Ils m'ont dit c'est parce que je les supporte que je dis ça. Mais les gars, ne confondez pas succès, célébrité et on t'aime vraiment. C'est pas la même chose. Voilà. Parmi les artistes du coupé décalé, je le dirai haut et fort. Les gens vont m'insulter, les gens vont parler, mais ils savent au fond d'eux que Didier Arafat et Debordo sont les plus aimés. Ça chauffe pas. Le seul problème, par exemple, on dirait avec mon Debordo, c'est parce que le mec, il n'est pas trop, trop bien organisé, mais ça va s'arranger. Après, à Gaza, vous allez comprendre ce qui va se passer. Vous allez comprendre la magie qui va s'opérer dans sa vie. Donc, pour l'instant, je clore le chapitre Debordo. Pour dire que quoi? La Chine et la Légion. Caris dit, il vient soutenir son cousin. Tiesco le Sultan. Ce 9 décembre là, du côté du Palais de la Culture. Nous, on sera du côté très opposé, on sera à la Riviera, à l'Ivoire Golf Club. Faut savoir que moi, je pense que minimum, on sera au moins 50 000. Voilà. Parce que dans les fans de Didier Arafat, il y a des Libanais, il y a des Marocains, il y a des Ivoiriens, il y a toutes les couches sociales, de même que ceux de Bordeaux Likoufa. C'est pour dire que dans nos fans, dans notre public ce 29 décembre là, il y aura des chocos, des noussis, des gars cool, il y aura toutes les couches sociales. C'est pour dire que ce sera le concert inédit, un concert jamais organisé en Côte d'Ivoire. Ce sera un concert mémorable, Caris. Donc faut réfléchir un peu. Imagine que tu viens soutenir ton cousin Tiesco le Sultan. Je ne souhaite pas qu'il tape pour toi, loin de là. Mais je pense que c'est prétentieux de sa part. Et comme c'est prétentieux de sa part, je veux juste qu'on lui donne une leçon, c'est tout. Voilà, imagine que tu viens,
au concert de Tiesco le Sultan, et puis vous vous retrouvez à être 100 ou 150 dans la salle, comme quoi vous voulez faire un concert. Bon, les images, ça court vite sur les réseaux sociaux. Bam! Caris et Tiesco le Sultan ont tapé poteau. Ça sera ça le titre. Ça sera pas Tiesco le Sultan a tapé poteau. Donc, moi, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est de vous amener vraiment, 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 vraiment de courage. Et puis, ne pensez pas que ce genre d'initiative pourra freiner l'élan, la ferveur de ce concert-là, ce gros concert de feu, ce concert de renaissance, de réconciliation, d'union. Parce que tout le coupé décalé, à part certains qui se connaissent, sera là. Voilà. Je pense que jusqu'au 29 décembre, il y a des têtes qui vont se réconcilier. Voilà. Parce que le showbiz, vous ne comprenez pas. Vous suivez le showbiz, mais vous ne comprenez pas le showbiz. Si vous voulez suivre le showbiz comme des moutons, ils vont toujours vous baiser, comme on le dit. Excusez-moi pour le terme. Mais c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce 29 décembre-là, ce sera un concert mémorable. Didier Arafat. 31 mars, il a gbé. Débordeux, 31 mars, il a gbé. Donc, imaginez un peu cette fusion-là, ce 29 décembre. Donc, Caris, c'était ça un peu mon message. Je venais m'adresser à Caris et mettre en garde mes collègues chinois et légionnaires. On ne doit pas donner de nom. Même si c'est Jay-Z, même si c'est Beyoncé, même si c'est Chris Brown, même si c'est Lil Wayne qui vient ce jour-là, ils n'ont qu'à les réveiller Michael Jackson. Ils ne vont pas croire. Ils vont dire, franchement, les gars, on ne peut rien. C'est vrai qu'ils sont bruyants, ils sont impulsifs, colériques, nerveux, mais ils sont aimés de malade dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était ça mon message. J'espère que ça va vous donner des leçons. J'espère que chacun va réfléchir avant de poser un acte. Parce qu'il y a un seul concert que moi je connais ce 29 décembre 2018, c'est le concert de Débordeaux et de Didier Arafat. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de continuer de vous abonner, de partager mes vidéos. Laissez les gens parler. Parce que Dieu nous bénit, on devient de plus en plus nombreux. Voilà, merci encore pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour tous ceux qui commentent et pour tous ceux qui m'encouragent. Dieu vous le rendra au centuple. Je n'ai pas les moyens de vous récompenser tout un chacun, mais Dieu vous voit. Voilà, et qu'il vous bénisse. Passez une très très bonne journée. On est ensemble. Force à la Chine, force à la Légion. Des Bordeaux, Likoufa, à vie. Force à nous, les amis.